First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 18 décembre et j'ai reçu mon Taeyang qui a été FCA par Secret Futury que j'ai acheté à Midnight. Donc si je ne dis pas de bêtises, je suis sa deuxième propriétaire. Je l'ai payé entre 400 et 500 euros. Donc il vient dans mes souvenirs sur Robitsu avec une perruque fur, des yeux fossiles évidemment, et il vient nu avec sa boîte, etc. Je suis trop contente de lui avoir acheté. Elle a été très arrangeante et très gentille. L'appareil photo est en train de tomber parce que mon trépied est cassé, c'est génial. Donc je disais oui, Midnight est quelqu'un de très arrangeant quand on lui achète des pulipes et tout. Bon, moi en l'occurrence c'est un Taeyang, mais ce Taeyang là est un nudé. Je le voulais depuis un petit moment. Je pensais pas qu'elle allait le vendre un jour et comme quoi, je suis très contente. Donc j'ai très peu de temps devant moi parce que mon copain va revenir à la maison avec sa mère et on va devoir partir. Donc je vais commencer à l'ouvrir. Si j'ai pas le temps, je reprendrai le déballage plus tard et peut-être que la luminosité aura changé. Donc c'est parti. Elle a marqué Joyeux Noël et elle m'a dit qu'elle m'a mis des petits cadeaux comme c'était Noël et tout. J'ai trouvé ça très gentil. En tout cas, c'est très bien emballé, très bien protégé. J'ai rien à dire là-dessus. Je sais pas ce que je filme, hein, je vous avoue, ça a été compliqué de cadrer. D'habitude, je me mets par terre pour déballer des pulipes ou des Taeyang. Et là, j'en ai marre de me mettre par terre, clairement. Donc, je suis sur la table du salon à mon père. Alors, il y a marqué Joyeux Noël. Donc, je vais l'ouvrir comme ça. J'espère que vous voyez bien. Alors, donc, on enlève le Taeyang dans sa boîte. Voilà, elle m'a mis des petits cadeaux. Ah, oh, c'est trop gentil, j'adore les Kinder comme ça. C'est trop gentil, bah merci, c'est mes préférés. Alors, ça se présente comme ça. Le Kinder, je le mets de côté et je vais ouvrir, j'ai peur. Forcément, c'est très bien protégé. Je sais pas si c'est la boîte d'origine, je pense que oui, je sais pas, mais en tout cas, sympa la boîte. Ah, j'ai peur. Alors, il est très bien protégé. Elle m'a mis des petits cadeaux, c'est trop mignon. Alors, elle m'a mis un sac, c'est pas My Melody, c'est le petit lapin, trop chou, très mignon. Un petit bonnet, ah ça peut aller bien pour Kyron ça, ou Lilia. D'ailleurs Lilia sera FC, hein. C'est ma petite Sayla et son frère et soeur. Trop mignon le bonnet, je pense m'en servir. Oh la jupe elle est vraiment jolie, j'ai des pulipes qui portent du bleu, ça tombe bien, elle est vraiment belle. Ça aussi je vais m'en servir de la jupe, très jolie. Ça qu'est-ce que c'est? Ah c'est mignon, c'est un bonnet avec des oreilles d'ours je suppose. Un bonnet comme ça, j'adore. Ah c'est trop mignon, j'aime beaucoup aussi. Alors on continue. Alors on va le voir après le monsieur, je le mets de côté. Et là nous avons le chapeau de la pulipe My Melody. C'est un modèle que j'aimerais bien avoir même si j'ai pas de projet pour. Et ça, ça porte du rouge, ça peut très bien aller à Romagie. Comme Semira, mais Semira c'est pas du tout son style, donc soit Romagie, j'ai d'autres pulipes qui portent du rouge, je sais plus, mais j'aime bien. De toute façon j'aime bien la tenue stock de la pulipe My Melody. Et enfin, alors je vais bien mettre ses jambes allongées, je le regarde hors caméra et je vous montre. Waouh, il est incroyable. Ah oui, il est super beau. Il me fait rire, il est tout froid le Taeyang. Ah, les sourcils, ils sont super beaux. La perruque fur qui est très 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 jolie, c'est une perruque fur dans les tons marronnés avec des mèches blanches, très jolie. Alors elle paraît très foncée à la caméra, donc elle est comme ceci. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Alors moi, il risque de changer de perruque parce qu'en fait, j'aimerais bien m'approprier les custos. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas changer les yeux. Alors, déjà, il a des yeux par Little Amnesia ou Vocalactic, comme vous voulez. Donc, ce sont des marrons, très 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 beaux. Les fossiles, bah, vous savez quoi, je vais pas lui en rajouter, ils sont déjà bien épais. Donc, le voici, il est trop 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 beau. Donc, il va s'appeler Léo, et c'est un humain. Donc, il va garder son Nobitsu, il aura pas de Corphison. Et il a un espèce d'eyeliner doré en dessous de l'eyeliner noir. C'est juste trop beau. Et pour ses paupières, elles sont marron, toutes simples. Alors comme c'est un Taeyang assez blushé, il rend assez sombre en caméra.
Là, j'essaye de régler la luminosité pour que vous voyez assez bien. Donc voilà, les paupières sont marron, marron foncé. Donc voilà pour les déballages de Léo, j'espère que son déballage vous aura plu. Et là il rend très clair à la caméra, mais c'est parce que j'ai augmenté la luminosité. Mais c'est un teint vachement blushé, vachement prononcé au niveau du blush et tout. Donc voilà, sachez-le. Donc voilà, merci d'avoir regardé son déballage.